Tu crois franchement pouvoir me blesser, Cal? T'as jamais été doué avec une lame. Laisse tomber, Fabrice. C'est fini. Pourquoi? T'es fatigué? Tu peux pas me faire de mal, Fabrice! Tu me sous-estimes! J'ai déjà tué! T'es un gentil! J'ai eu mes mauvais jours! Fabrice! Cal! Non! Arrêtez ça tout de suite! Ne te mêle pas de ça! Et puis quoi encore? Arrêtez ça tout de suite! C'est bon, vous avez fini? On passe à table! Quoi? Je dois le dire en quelle langue? On passe à table. Moi, Noah fait à manger et vous avez intérêt à ramener vos fesses. Maintenant, si vous voulez pas être au prochain repas. N'empêche que je t'ai battu haut la main. Je suis pas sûr qu'on ait assisté au même combat. Tu boites? Toi aussi. Les courbatures? Où est Eve? Partie avec l'un de ses prétendants pour se refaire une garde-robe digne de ce nom. Il ignore seulement qu'il va devoir y passer des heures vu qu'elle n'a jamais porté de vêtements de sa vie. Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon, ma douce? Elle est où, la viande? Tous les deux, vous allez finir par tomber malade avec toute cette viande. Mais moi, je suis pas végétarien. J'ai besoin de mes protéines. Et moi, je suis loup-garou. Je suis carnivore par nature. Ça a l'air succulent, Gloria. Quelle idée a eu ta tante de nous faire passer nos vacances dans une maison sans magie? Tu disais pas la même chose hier soir. Je sers qui? Estimez-vous heureux. Au moins les objets magiques fonctionnent. Sinon on ne pourra même pas utiliser la boule de cristal. Oh, je ne me ferai jamais à ce son barbare. Les gars, ils l'ont retrouvé. Non mais t'es sérieux, Fabrice? Des chasseurs de primes. Tu as engagé des chasseurs de primes. Ils ont retrouvé Fédélem, non? Alors arrête de te plaindre. Vous êtes les jumeaux d'enfer? Qu'est-ce que vous voulez? On vient pour Fédélem. C'est vous ou pas? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Vous avez le mot de passe? Attendez, vous étiez sérieux pour cette partie-là? Les jumeaux d'enfer sont toujours super sérieux. Donc, c'est vous? On n'a pas dit ça. Tout ce qu'on veut, c'est le mot de passe. Comment est votre spatchoun?
La spatule est bonne. Alors effectivement, nous sommes les jumeaux d'enfer. Moi c'est Kitsune et moi c'est Otaki. Donc, vous disiez avoir trouvé Fedelem. Ah oui, oui, on l'a retrouvé, oui. Vous l'avez parfaitement localisé. Ah oui, parfaitement, y'a pas de problème. Vous savez exactement qui c'est. Sûr et certain. Où l'avez-vous emmené? Qui? Fedelem. Eh bien. Elle est où? Attendez. Il a jamais été question de la ramener vivante. Vivante? Ben oui. Vous l'avez tué! Tué! Non! Ouais, on l'a pas tué, non, vous avez vu le machin! Non, on va pas prendre le risque! Non! Allez, calmez-vous, on se pose! Allez, on se pose! On se pose, hein! C'est délicat! Bref! Non, on l'a pas tué, tout va bien! Bon, c'est parfait si vous l'avez pas tué! C'est vrai? Oui! Et qui tu es? T'as entendu ça? On a réussi un truc! T'es pas tué, Kikotaki! Attends, d'habitude on foire toujours tout ce qu'on fait! Ferme-la! Excusez-la, mais il me semblerait qu'elle ne tienne pas la. Tiens pas. Y'a pas d'alcool dans le Tsinpaf. Ah bon? Oui. Ah. Fais-moi cette bouteille. Petite touche de marf, ta gueule! Ok. Où est-ce que j'en étais? Vous êtes content qu'on n'ait pas tué FDM? Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, elle est où? Eh ben, elle est au même endroit où on l'a laissée. C'est-à-dire dans une sorte de grand bâtiment avec plein de gens. Où ils sont. Y'a un problème? Non, non, enfin attendez, on est les jumeaux d'enfer, nous, y a jamais de problème avec nous, enfin vous avez vu. Enfin moi surtout, parce que là, j'ai pas vraiment l'état, mais bon bref. Non, y a pas de problème, non, c'est juste que en fait c'est comment dire, c'est Kitsune en fait qui s'est volé. Kitsune. Vous allez réveiller illico presto si vous voulez avoir votre argent, d'accord? Ouais, c'est fâcheux. Très fâcheux. Je dois dire que je suis impressionné par ces deux-là. Tu sais les choisir. Ça va, c'est bon. Allô, Cal, ça se passe bien? Je sais pas. Demande à Fabrice. Salut Tara. C'est un petit peu plus compliqué que prévu, mais t'inquiète, on gère. D'ailleurs, on doit y retourner. Non. Salut, tu rapproches bisous. Pas Fabrice de bisous. Bordel de slurk. En autre monde, c'est ma fête toute la journée. En autre monde, je vais tous les envoyer. Elle était sur la cible de rôle. Elle était sur la. Fabrice, dis-moi que je rêve. J'ai bien peur que non. Non, calme. Il a descendu maintenant, il y a de l'argent en jeu. Égorgé, torturé, massacré. Quand on me crie pitié et que je peux pas m'arrêter. Ouais. Dans les petits secrets. Écoute, je vais lui faire cracher le morceau. Bourré ou pas? J'adore les petits. T'es en train de te ridiculiser, allez descends. Oh, c'est pour vrai, moi je me crie. Surtout ceux de sa majesté. Connard. Ça va où? Qu'est-ce qu'elle fait, bon sang? Bah, elle s'est réveillée et elle chante. J'avais vu. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais tu dis qu'est-ce que j'y peux? Moi j'y peux rien! Quoi? C'est votre partenaire. Mais je sais. Faites quelque chose. Mais je vais. Sinon je sens que j'ai la butée. Vous sentez ça? Ah ouais, vous faites ça, je vous bute moi. Alors faites quelque chose! Bah, je vais aller faire quelque chose, c'est bon, laissez-moi le temps, ok? Je gère. Ok, je gère. Allez là, c'est bon là, maintenant descend. Fais gaffe avec ça, ok? Allez, descend maintenant, c'est plus drôle. Allez, la Kitsune, allez, descend maintenant, c'est plus drôle. Allez, pense ça, allez, descends. Allez, me pense à l'argent, allez, couille-toi, descends. Cal. Allez, fais gaffe, tu vas blesser quelqu'un, tu vas te blesser en plus. Allez, pose ça, allez, descends. Cal, c'est. Allez, descends maintenant, ça suffit, c'est plus drôle là. Allez, Kitsune, descends, merde. Parle à son bus. Oh, on se calme, les gars. Il a tué ses armes. Il a tué Kitsune. Elle est juste assommée. Ouais, bah assommée ou pas, j'en ai rien à foutre, je vais te tuer, mon gars. Écoute, le chasseur de primes, si toi et ta copine vous aviez fait correctement votre boulot, on n'en serait pas là. Mais on a fait notre boulot. Alors prouve-le. Bah tiens, regarde, on a fait un selfie. Pardon?
un selfie. La bouteille. Tiens, prends ça. L'alcool de la dernière heure. Si on veut savoir où est Fédélème, il faut la ramener à la maison. Wow, qu'est-ce que tu fais là? Ça t'a pas suffi de l'assommer? Je suis en train de lui sauver la vie. Tiens, bouge-toi. Wow, tu l'as tué en fait. Oups. Oups. Oups, mais tu te fous de moi, je l'ai vraiment assassiné, espèce de meurtrier. Touche pas, toi. Oh, les démons des larmes. J'ai mal au crâne. Qu'est-ce que j'avais dit? Pas morte. Juste une bonne gueule de bois. On peut y aller maintenant? Cal, je peux te parler 2 minutes? Bon, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Depuis tout à l'heure, t'agis comme un crétin de première. Je veux retrouver Fédélème. Je vois pas de mal à ça. Tu cherches pas à retrouver Fédélème, tu cherches à te venger. Ça te ressemble pas. Il semblerait que je dois vous remercier. On peut dire ça, oui. Pourquoi Fédélème a-t-elle tenté de vous empoisonner? Empoisonner? Vraiment? Avec son petit paf au goût dégueulasse? Je devais l'offrir à monsieur Dassalan de sa part. Trop aimable. J'ai une dette envers vous. Dans ce cas, menez-nous à Fédélème. Maintenant. Allons-y, allons tuer cette pute. Je contacte les filles pour qu'elles nous rejoignent. Non! Tara est encore trop faible. On l'appellerait qu'en dernier recours, d'accord? T'es sûr que c'est ici? Ça a l'air complètement désert. Je suis d'accord avec le gamin, moi je reconnais rien du tout. C'est parce que la dernière fois, on a directement transmuté dans le hangar. Ah, c'est pour ça les arbres en fait. Qu'est-ce qu'il est con. Bah quoi? Tais-toi. Sois plus professionnel. Oh, s'il te plaît, je suis vachement professionnel. Chut. Chut. Monsieur Iwawa, la névrose de la gâchette et l'épi, vous la fermez. Et vous m'écoutez. J'ai un plan. Calichou! Fuyez! Maintenant! Quoi? Non, 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 écoutez pas, venez nous aider! Mon chou, tu m'as presque manqué. Je vois que tu m'as apporté une petite surprise. Tu peux sortir, mon toutou? Allez, viens voir maman! Vous êtes mignons tous les deux. Vous feriez un si beau couple. Dommage que vous deviez mourir. Mes chéris, j'ai tout le monde. Par le destructus. Ah oui, au fait, n'oubliez pas le virement Crédit Mutuel, hein, parce que nous on est un peu pressés là. Carbonus Protectus. Carbonus!
Tu penses toujours que c'était une bonne idée? Oh, arrête! Je croyais que monsieur était du genre festif. Je suis plutôt rabat-joie. On y va? Ouais. Par le transmitus, nous partons. Il est temps de rentrer à la maison. Krievus. Prévenez Milady. Le fou a pris position. Ah la vache, quelle saleté cette démone! Franchement, quand je pense qu'elle a osé me traiter de kleps... Mais bon, au moins elle n'a pas de faible pour moi, n'est-ce pas, Kalichou? Cal? Cal! Cal, me laisse pas tomber! Parlerai pas russe! Cal, me laisse pas tomber, Cal! Allô, Tara, on a la frontière anti-magie, Cal est baissé, dépêche-toi! Parlerai pas russe!